rester là, on combine, on trouve Drissa Diarra-Souba vers Ojo Achraf. Il aime bien aller provoquer Ojo. Ojo, il est filiforme, hein, donc il peut faire beaucoup de fantaisie. Le 1 avec le terrain Babi Donald et puis devant il y a Ojo Achraf. Raison hein, sur le coup, il reste sur le terrain et c'est lui qui a la réception. Il est efficace, on l'a dit en début de match. Hein. Il avait 6 buts, maintenant ça fait 7 buts et il va envoyer le ballon. Adam en profondeur pour Ojo Achraf. Ojo, allez, Ojo, attention, il peut lober. Il peut lober Ojo. Ojo, but, 3e gardien. Oh là 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 là, 68e. Essaie d'envoyer ce ballon. Le plus mérité à gagner. Allez, on rappelle. Oui, on rappelle. Noir, continue. Simplement. Ça, on trouve Babi Donald qui s'appuie sur Ojo. Attention à ce ballon. Babi, la mortie n'est pas bon, mais il va marquer. Ouais. Il va marquer Ojo Achraf qui a suivi cette action, qui a suivi. Sur un coup de pied arrêté, sur une défaillance individuelle adverse, pourquoi pas? D'accord. Il nous reste encore, on va dire, 20 bonnes minutes. Attention. Eh oui, et voilà. Amani, vous êtes un prophète. Vous êtes un prophète, Amani, au Lambert César. Vous avez voilà. Dit sur une action, sur une défense individuelle. Une défense, Regardez, seul contre deux. C'est cela votre principal. Oui. Traoré Diakaria, attention, là c'est une possibilité. Oh non, ballon trop poussé. Et ça devait une passe décisive. Ojo Achraf, va-t-il faire le doublé? Ojo, Ojo, 72e minute. Après trois actions nettes de but manquées par le Stella Club d'Adjamé. Eh bien, les Magnans viennent encore de piquer les garçons du Poro. Deux buts à zéro. Mais vous avez vu, ils ont... Pas le bon choix sur les coups de pied arrêtés qu'ils ont. Estelit, la FAD, pardon, oui, effectivement. Attention, Ojo, Achraf Mohamed. Achraf, la passe dans le dos pour Youfila. Voilà. Égalisation de coup. Il aurait pu libérer ce ballon là au Maou. Yadinak le réclamait. Ah, ça s'anime sur le côté maintenant. Le Stella Club et le Guadio. Arsène Ils ne sont pas quatrième au classement par hasard. Bien joué ça. Bien joué. Attention, attention. Jurassic. Oh, c'est bien joué. Traoré-Cheik. Regardez. Oh là là. Il arrive. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, c'était bien joué de la part. Il fallait. De folie. On voit l'action. On voit l'action. C'est tout de suite après le petit pont qu'il fallait frapper ce ballon. Parce que là, le contrôle là, la décompose. En espérant qu'il sera bien exécuté cette fois. Décomposé avec Diaby. Sidibé. Sidibé. C'était téléphoné même, là. C'était pas très bien joué. Attention. De sa part.
Là, c'est un contre. Attention, bien amené. Bonjour Mohamed. Oui. Ah oui, Adam, le ballon est bien donné. Regardez à gauche. Adam, à votre gauche. Oh, il faut rester concentré. Ça peut être effectivement là, l'état d'esprit inculqué par le coach. Justement, Babi Donald, dans la profondeur. Les garçons du Stella, possibilité de mettre un deuxième but. Attention. Traoré. Traoré, cher. Babi Donald. Quand même un peu plus d'espace maintenant dans le milieu de terrain. Tchegueyi dans la profondeur pour Eloge. Super ballon. Final Eloge. Le retrait va-t-il le réussir? Non. Super ballon. Oh là là, c'est dommage. Il va remiser sur Ojo Achraf. Par contre, ça c'est super bien joué. Yuzeyou. Voilà, Eloge qui remet. Ouais, c'est bien joué. Là, lui, il avait la possibilité derrière au deuxième poteau de garder le ballon. C'est Charles, Jean-Charles Aoua. Hein, j'ai changé votre nom, monsieur. Ballon dans la profondeur pour Ojo. Ojo, le ballon. Youfi. Bon, Babi Donald. Attention aussi. Qui a donné ce ballon intelligemment à Moussa Koulibaly. Pourquoi pas un centre qualitatif à l'entrée de cette surface? Non, il préfère partir avec ce ballon. Et qu'est-ce qu'il a tenté au deuxième poteau? C'est le jeune Achraf. Il ne terminera pas sa course dans la. Achraf avec sa petite taille qui s'élève au-dessus des costauds défenseurs du Sporting Club de Cagnois. Attention, attention. L'équipe qui a la pire défense. 31 buts. Concédé après 20 journées. Alors qu'il nous reste encore 10 journées. Mohamed Ojo Achraf, donc 19 ans, première saison au club, transfuge de l'Académie Moura, c'est bien ça. Mohamed, c'est sa première saison en Ligue 1. Mohamed, on est forcément content, on est heureux, on est fier quand on sort du banc des touches et qu'on offre la victoire à son équipe. Ouais, ça fait vraiment plaisir. Vraiment énormément plaisir. Ça me tenait à cœur. Ça fait un moment que devant le but, je gagne des occasions, mais malheureusement, je n'arrive pas à les marquer. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça a été vraiment, je suis beaucoup content. Alors vous comptabilisez donc 3 buts déjà cette saison. Il reste 2 journées à disputer. Est-ce que vous êtes satisfait plus ou moins de votre première saison avec l'Esla Club d'Adjamé? Bon, sur le plan personnel, je ne suis pas trop satisfait parce que je voulais faire mieux que ça. Mais quand on regarde dans l'ensemble, c'est vraiment quelque chose. Ma première saison, et avec le Stella, vraiment, je suis heureux. Très bien, alors vous avez compris, hein, il aura la possibilité, pourquoi pas, d'inscrire encore un autre but lors des deux dernières sorties, pourquoi pas, face à l'Est d'Ingré et le Stade d'Abidjan.